Dans cette vidéo sans aucun contenu, encore une fois, nous allons comparer les produits Eco Plus avec nos fast-food préférés. Je tenais aussi à vous remercier pour les 90 000 abonnés en route vers les 100 000 abonnés. Et n'oubliez pas de me follow sur Instagram pour parler de sport et de musculation. Des bisous tout le monde, je vous aime, bonne vidéo. Abonne-toi. Actuellement à la recherche de produits Eco Plus parce que c'est moi qui ai tombé sur ça. Donc je recherche des produits potables. Voilà. Pas passionnant mais bon. De Leclerc. Et je recherche. Donc je m'ennuie, du coup je vous parle, je peux vous raconter de ma vie. Là j'ai fini les cours, je travaille la semaine. Enfin, service client, donc je réponds au téléphone à des gens qui sont très désagréables. Donc message à tout le monde quand vous appelez, service client. Gentil, poli, aimable, parce que moi j'en ai marre de me faire insulter tous les 4 matins. Donc j'ai acheté un cadeau à ma mère, j'ai acheté un robot cuiseur moulinet. J'espère qu'elle sera contente. Si vous n'avez pas d'idée, bah achetez des fleurs. Petit geste comme ça de la vie. J'espère qu'il va couper tout ça au montage parce que... Allez, je vais continuer mes recherches. Salut à tous et à toutes les copines et les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu, je viens de me réveiller, je viens de me laver, laissez-moi tranquille. On est 90 000 abonnés et je suis un homme heureux, mais aussi un homme dévasté. Claude a perdu Koh-Lanta, je me réveille triste et en plus j'ai perdu 2 divisions sur LOL. Voilà, je suis un homme dévasté. Ah, d'ailleurs, en ce moment, on me reconnaît sur LOL, voilà, merci. Hein. J'ai plusieurs comptes, hein. J'ai des comptes cachés où je suis plat 2 et j'ai un qui où je suis plat 4 et là, ça fait mal. On va monter, je vais vous dire comment ça se passe. Et aujourd'hui, on va faire des fast-food contre Eco Plus. Pourquoi Inès et moi? C'est comme ça qu'on parle en France. C'est en France, c'est des règles de langage. Toi, depuis que Inès et moi. Toi, depuis que t'as un master, tu fais trop la meuf. J'ai pas de master. T'as été prise en master, tu fais trop la meuf. Voilà, n'hésitez pas à féliciter Inès. Il faut la féliciter. Bravo à elle. Et on est fiers que Kimiki devienne un mangeur de tacos professionnel. Allez, vas-y, viens, on va à l'école. Oui, j'ai vu à l'école. C'est pas drôle. Tu te fous de moi devant la France entière. Moi, je parle mieux indien que français et je parle mieux anglais que français. Et ça, ah bah, la France le sait. C'est vrai que je fais beaucoup d'abus de langage, les amis, je suis désolé. Parti, ça fait plaisir. Il fait mi-chaud, mi-froid. J'achète. Quand on paye, moi. Et du coup, on va commencer avec le premier repas. Entre Eco Plus et les fast-food par un grec discount. Cheeseburger Eco Plus que vous avez l'habitude, ok? Parti, on se retrouve en cuisine. Regardez, les amis. Tous les trucs Eco Plus, là, ça va être vraiment, vraiment stylé. On en met 2. On fait chauffer et après, on se départage. Le grec discount avec les cheeseburgers Eco Plus. Les amis, c'est un crabe. Ici, on a le steak Eco Plus. Oh là là, regarde le fromage. Mmh. Et ici, on a le cheeseburger et le grec qui sont ici. Bon, ça donne beaucoup plus envie ici. Mmh. Il est temps pour moi et Inès de se départager pour savoir qui va manger Eco Plus. On va aller sur Google. On va lui demander de choisir un numéro aléatoire. Ouais. Tirer un nombre aléatoire entre 1 et 10. Je commence. Lancer le tirage. Félicitations, résultat du tirage, 4. Elle a gagné, elle a eu 5. Aïe, aïe. Je vais manger Eco Plus. On commence par le cheeseburger. Voici la différence de nos deux cheeseburgers. Voici celui Eco Plus. Franchement, du grec, il est pas fou. Hein. Plus, elle est la meilleure. Et la sauce orange, celle-là, elle est bonne, moi j'aime bien. Moi, j'aime pas le steak, mais j'aime bien la sauce. Moi, c'est la sauce que je déteste. Froid. Putain, elle était chaude. C'est horrible. Déjà 3 minutes et t'as resté 1 minute 30. On teste le grec. Regardez, ça c'est le grec Eco Plus. Attends, regarde la différence. Oh. Rien à voir. Après, moi c'est des lamelles de bœuf, je crois. T'as pas dit le cheeseburger, il est comment? Il est bon. Ouais, sans plus. C'est sec, le pain quand même il est moelleux. La viande ça va, relevé épicé. 4 euros je crois les deux quand même. Ouais. C'est ça vaut pas mal. Sans être de mauvaise foi, c'est bon. Franchement. Tu me donnes ça à manger, je le mange et je suis content, tu vois. On s'échange, on fait juste un cours pour comprendre. Je vais manger tout le grec en un cours. Un peu dur le pain. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est juste moi j'aime pas. La viande elle est pas. T'aimes bien la viande là? Moi je trouve ça va, mais ça ressemble pas du tout à de la viande grecque, hein, faut être honnête. Mais je trouve que ça va. J'aime bien, un seul mais pas deux. Ouais. Mais si un jour quelqu'un vous dit ouais j'ai ça à la maison, est-ce que tu veux manger? Dites oui, voilà c'est ça. Pour moi déjà sur le grec, il n'y a pas photo, grande victoire. Qui a été froid tout à l'heure. On est parti pour ces burgers Eco Plus. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah, ouais. Bon, cette sauce. Moi elle me saoule. C'est vraiment la sauce que dans tous les burgers c'est... Mais c'était Eco Plus hein, qui nous donnait. Ouais c'est ça, bah oui, c'est pour ça, j'en peux plus. Ça va? Alors franchement, j'ai mangé grave des cheeseburgers pas chers et tout. Ouais. C'est les meilleurs que j'ai mangé. C'est vrai? Mais déjà, ils sont épais et tout, je trouve. Hein. La viande, elle est grande de ouf. C'est vraiment bon. Regardez la taille de la viande ici. Ça, c'est 4 euros ça, hein, au grec. Regardez là. Et ça, c'est même pas 1 euro hein, pour 50 centimes. C'est galère, non? Le pain, il est caoutchouteux.
Je préfère pas savoir il y a quoi dans le steak. Parce que pour le vendre aussi peu cher. Mais franchement, là, rapport qualité-prix, même niveau goût, il n'y a pas photo. Hein. Vous êtes mieux à prendre votre cheeseburger Eco Plus que d'aller au Grec et de prendre un cheeseburger. Ça, c'est sûr et certain. Non, même si vous avez faim, vous mangez ça, ça va, ça passe. Après, moi, le kebab, là, ils sont trop plats. Non, c'est, en plus, c'était cher. Pas terrible. Donc, on a un point pour les fast-food, un point pour le discount. Les amis, on se retrouve pour le prochain repas. Eco Plus contre fast-food des marques. Je sais pas, je n'arrive pas à trouver de titre sur cette vidéo. Moi, je vais digérer mon mur de Berlin. Et à ça. Regardez-moi, ça ce sont les hommes. Regardez, ça c'est du manga ça. Jojo meilleur que tout. Parti pour s'entraîner avec madame. Nez va apprendre à faire des tractions. Normalement j'avais besoin de l'élastique, mais mon frère m'a volé les élastiques. Donc ceux qui veulent apprendre à faire des tractions, vous mettez un élastique ici. Oui je mets ça parce que j'ai fait une inflammation au coude hein. Vous allez dire qu'est-ce que c'est Kibiki. Voilà j'ai fait une inflammation au coude. Vous mettez un élastique ici, vous mettez le volet et vous tractionnez comme ça. Et sinon pour ceux qui arrivent pas, vous sautez et vous contrôlez juste la phase négative. Voilà. Bon on s'entraîne et on se retrouve pour le prochain repas. Puis reprise des entraînements, etc. Sur mon Instagram. Je vous rappelle que vous avez des réductions sur MyProtein. N'hésitez pas à utiliser mon lien. Si vous ne passez pas par mon lien quand vous utilisez mon code, je ne touche pas de commission. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien quand vous commandez. C'est important, ça nourrit la famille. Le code c'est pour vous, le lien c'est pour moi. Voilà, donc le lien est en description. Tu cliques dessus, tu commandes avec. Et c'est pour le PIB. Les amis, on a terminé l'entraînement avec Inès. C'était pour vous remercier aussi parce que sur Instagram, mon inflammation au coude me fait vraiment mal en ce moment. Hein. Ça fait que j'ai beaucoup d'exercices que je peux pas faire, etc. Je vous en parlerai en vidéo très très prochainement. Je pense que c'est aussi parce que ces derniers temps, ça fait depuis le confinement, ça fait 2-3 mois, je fais que du poids de corps, donc que des pompes, que des dips, et ça met beaucoup de pression sur nos articulations. Ça commence les petites blessures, donc je vais vraiment faire attention. Pas départagé, il y a mon petit frère en plus pour ce dernier repas, donc à tout à l'heure. Ah, même on vient des villes, hein, on comprend même pas ce qui se passe. Bon, allez, on va manger de les pizzas Eco Plus de Margarita. Je sais plus c'est quoi, je vais vous mettre le prix. Les trois c'est à moins de 2€, c'est à 1€ et quelques. Faut qu'on regarde. On va juste enlever la canette, ça on a pas besoin. Eh ça fait bizarre. Accompagné de mes deux acolytes. Franchement c'est, vous avez remplacé Chris. Hein. Du coup, on a la pizza du grec et les pizzas Eco Plus. On en a pris trois. Les pizzas Margarita Eco Plus. Et Thunders chez Discount. Les Thunders quoi, Discount, trouvés dans n'importe quel supermarché. Avec des Thunders, ça ressemble un peu à Chicken Spot quoi. On commence par la pizza. Allez, c'est parti. Elle est un peu froide. Honneur aux dames. Ensuite au faible. Vas-y, prends là. Ah. Si, je te respecterai quand tu seras à 130 au coucher. Vas-y, vas-y. Pédale chicken. Elle est douce. Passe. Crème. Franchement, le dernier. Parfait. Voilà. C'est pour ça que t'es plus grand que moi. Je suis plus grand que toi. Dites-nous, vous faites quelle taille? Ouais. Je fais 1,73. Moi, je fais 1m80. Et mon petit frère, il fait combien? 4, 5. Plus 1, 4, 5. Ouais. Il est temps pour tout le monde de goûter les pizzas Eco Plus. Ah ouais. Désir. Ah, j'ai la haine. Ouais, c'est de la tomate. Ouais, c'est de la tomate. C'est de la tomate. Pas ouf. Hein. Il y a un gros problème. On va rajouter du gruyère. On va rajouter 2-3 ingrédients. On va la refaire chauffer. Mais après, c'est le prix. Hein. Faut pas se plaindre. Hein. Mais la croûte, elle est dure. C'est sûr. Thunder de Chicken Sport. Ils sont bons. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bons. Ils sont salés. Hein. Ouais, tu sais, c'est vraiment salé. Beaucoup de panure. Au Thunders Eco Plus, ce sont des petits chichis. Genre, c'est bon. Pas le même genre. C'est pas le même goût. Ça des nuggets. Des frites de poulet. Ouais, c'est ça, ça fait frites de poulet. Franchement, pour le prix, c'est intéressant. Bien. C'est beaucoup moins salé et moins gras. Ça a été fait au four, c'est beaucoup moins gras. Y'a rien quand ça ressemble. Ah, ça, c'est meilleur. Ça va pas vrai. Pour cela, moi, j'ai vrai tenir. Si tu préfères le gras, je préfère le sel aussi. Voici notre pizza après customisation. Donc, on a rajouté du fromage et du pain de poulet. La vidéo carte McDo, moi j'aurais bien mangé. Hein. Moi j'aurais mangé un burger, mais c'est déjà ça. On m'a pas appelé. Une vidéo d'homme. Entre hommes. Hier, j'ai allumé mon téléphone. Les premiers commentaires, c'est une meuf, elle a dit eh, crois pas Kimiki, hein. Nous les meufs, on kiffe la bouffe aussi. Hein. Faites le coucou là, les femmes qui nous regardent. C'est grâce à Inès, hein, je sais. Hein. Depuis que t'es dans les vidéos, je suis passé d'1% de femmes à 24%. Ah. Après quand je m'embrouillais parce que je bougeais mes pecs. Bah oui. Allez devant des meufs. Sinon je vais m'énerver. Allez mange la pizza confectionnée par le chef. Pas vraiment Eco Plus. Non ça va. Hein? Ah c'est bon, toujours c'est bon comme là. Non c'est bon. Ça a rien à voir. Laissez-moi finir. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Que le fromage. Mais si vous prenez ça, un paquet de gruyère en plus, vous rajoutez dans votre pizza, vous mettez un petit peu de garniture en plus, vous vous retrouvez avec 3 pizzas pour 2€. Et alors
C'est pas pareil, hein. Ouais, il y a pas tout autre. Ça changera tout. Vous rajoutez des pommes de terre, vous rajoutez plein de trucs, enfin... Mmh. En fait, vous prenez ça comme si c'était votre base de pizza. Ouais. Vous rajoutez comme ça, vous prenez pas la tête au four et tu manges bien. Tu prends deux fois ça pour 10 euros, vous mangez à vraiment plein. Non, c'est trop bien. Ouais. Vraiment trop bien. Bon, bah voilà. On a pris 3 heures pour trouver le prix, on l'a trouvé. Donc 66 centimes par pizza. Et voilà, faut rajouter des trucs. Hein, tout seul, c'est de la tomate. De la vraie tomate. Ouais. Bon, on se retrouve demain avec ce zigoto. Parce que c'est la fête des mères. Donc elle va aller voir sa maman. Et bisous. Et rebonjour, c'est encore moi. Et oui, hein, bientôt les 100 000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je suis trop heureux. On est parti pour ce dernier repas. Et sur dernier repas, on va tester deux petits gâteaux Eco Plus. Histoire de faire une petite collation. On a décidé de faire la collation le lendemain. Ah là, je suis devenu un gâteau pro. Comparatif. Pareil, déjà on a pris les glaces Eco Plus. On va goûter ça. J'ai pas les glaces Magnum chez moi. Donc on va prendre directement les glaces Eco Plus. Vous dire ce que c'est. J'ai pas les glaces Magnum de base. Bref, je pense que ça sera bon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles sont bonnes. Hein. Glaces Eco Plus. En tout cas, elles sont jolies. Hein. Oh ouais. Non, c'est bon. Mmh. Elles sont bonnes. On le sent la vanille, mais c'est pas de la marque. Ouais. Mais le chocolat, il est grave. Bon. Ouais, le chocolat est bon. Mais c'est juste la vanille qui est moins bonne que si tu prends de la marque, quoi. Mais ça passe, hein, c'est bon, franchement. Tu donnes ça à quelqu'un, il sait pas que c'est de l'Eco Plus, hein. Ouais, même pas. Hein. C'était à combien? Même pas 2 euros, je crois. Ouais, franchement, Eco Plus, c'est bon, hein. Après, c'est sûr, il y a des trucs, c'est vraiment pas bon, Eco Plus. Ouais. Le chocolat, c'est presque le même que sur un Magnum. Bon, ouais, hein. Mmh. Un goût prononcé de vanille. Voilà, c'est ça. C'est juste, voilà, c'est de la glace très basique. Mais le chocolat est très bon. Ce qui fait que la glace, eh ben, au final, elle rend très bien. Vous voulez acheter des glaces pas chères entre potes ou en famille et vous voulez pas vous prendre la tête, on vous recommande vivement les glaces Eco Plus. Mmh. C'est de la glace artificielle, ça se voit. C'est plus gras, c'est vrai, mais c'est moins cher. Donc, on va comparer maintenant pour terminer la vidéo des granolas avec les cookies Eco Plus. Donc vous voyez déjà le packaging, ce sont déjà des cookies. Ok. Hop. Donc ils ont l'air un peu plus maigres ici, beaucoup plus de chocolat ici. Mais attention, granola, c'est les spéciales gros éclats de chocolat. Du coup, d'avoir plus de chocolat. On va goûter. La différence de prix, elle est énorme par contre. Hein. Il y a une grosse différence, ouais. Moi j'ai le granola, du coup, bah c'est bon. On fait rien dire. Ah ouais. Attends, je vais goûter parce que. Ah ouais. La différence, on la sent trop. Mmh. Ah non. On dirait les gâteaux, mon apéritif, là, ultra sec. Ouais, c'est ça. On n'avait pas eu que tu dois tremper. Ouais, c'est ça. On dirait un sablé. Voilà. Voir mieux. Mmh. Allez, franchement. Ouais, c'est pas. Après, s'il y a une grande différence de prix, bah ça se comprend en vrai. Souvent, on est choqué par le goût des Eco Plus. Et pendant toute cette vidéo, j'ai trouvé que tous les produits étaient bons. Mais le seul produit Eco Plus que vraiment je trouve pas très bon, c'est les Eco. Vraiment, ça ressemble plus à des sablés. C'est. Ça se voit en plus, ils sont gras, bon. Ils sont pas bons. Non, franchement, ils sont pas bons. Mais les glaces, aujourd'hui, je préfère. Faire acheter ça que des Magnum, je vous le dis tout de suite. Hein. Si cette vidéo peut aussi vous aider à vous dire que bah peut-être que je vais essayer, au lieu d'acheter votre pizza surgelée, vous prenez une petite Eco Plus et vous rajoutez des ingrédients de chez vous, vous-même, ça va vous coûter 2-3 minutes en plus et ça va être meilleur. Donc voilà, pourquoi pas prendre des glaces comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous montre encore rapidement ce cheesecake. Bon, maman, pour une fois, j'aime pas trop ton gâteau. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez carré solide. N'hésitez pas à discuter dans les commentaires. Si t'es resté jusqu'à la fin, n'hésite pas à écrire Eco Plus dans les commentaires. On va aller chercher les 100 000 abonnés. Des bisous tout le monde. Et restez carré solide. Bisous.